Salut à tous, c'est Vandal et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Metal Gear 2. Ou quand même pendant un bon moment sur la vidéo, on va avoir le droit à du bon backtracking comme on aime bien. Façon de parler. Hop. Nous devons trouver Gustava. Je suis par terre. Tu me vois pas. Il m'a pas vu. Non, ça m'a vu. Il y a peut-être des trucs à récupérer. Enfin, j'espère. Ah bah une ration, c'est formidable. J'ai pas eu le bruit comme quoi j'ai ramassé le truc. Genre tout fuck. Juste je sais quoi faire commencer. Oh je sais pas d'où je sors. Hein, mais je voudrais bien sortir. Que le garde, si tu pouvais t'écarter de mon chemin, ce serait ma foi génial. Pourquoi je sortir du camion. Voilà. C'est là où on a affronté In the Day. C'est quoi ce bruit? Ils entendent le bruit, ils se figent sur place. Oserais-tu venir vers moi? Ou pas? Oh, esquive! Bon, vu qu'ici, je pense que les mines sont encore en place, voilà. D'ailleurs, je préfère temporiser. On traverse la jungle. C'est de se imaginer qu'on est à chaque fois à se retaper comment ça s'appelle la track de... ça ah la track de lui là qu'on va voir. Je suis pas là. Ah mais les gars, on a dit que j'étais pas là, j'ai disparu. Ah bon d'accord, vous avez gagné. Hop. Hop. Voilà. C'est quand même très facile de se faire repérer, mais c'est également très facile de disparaître. Et voilà. Bonjour. Voilà. Alors, il faut que je me refasse un peu le tour. Et bah que je chope à nouveau l'ascenseur. Non, il me semble qu'il n'y a pas de caméra ici, juste des gardes qui m'a repéré à l'autre bout. Non, je sais pas. Trop énervé. Et voilà. Aïe.
Mais au secours! Au secours! S'il vous plaît! Mais il y a trop de monde là! On va continuer à prendre l'ascenseur, c'est une bonne idée. Quoique, genre, si je peux aller au sous-sol, je crois avoir loupé des items parce qu'en principe, je suis censé avoir ce qu'on appelle la mitraillette. Hein. C'est un peu assez bizarre. Ouais, je prends cet ascenseur là pour pouvoir aller au sous-sol. Ou ça skip pour un étage et 1. C'est cool avec ces trous, c'est que comment tu te vois tomber mais comme une merde. Alors je reprends où? Bah ça va. Je crois que je peux plus emporter. Ah si, encore. Ouais, et d'accord, je suis limité à 200. Jamais. Ouais, mais on prendra une. Voilà, je savais qu'il était là. Je porterai plus de balles. Des grenades. En plus, de toute façon, ce qui est cool avec cette mitraillette, c'est qu'elle est silencieuse. Ah, des missiles radio commandés, bah ça je... Depuis que je suis tombé dans le trou, je préfère faire un grand détour plutôt que me faire avoir. Donc voilà. Ok. Et je me casse. Maintenant, on va pouvoir refaire remonter. Ah, ma chaise commence à grincer, elle se fait vieille la pauvre. Mais elle est tellement confortable. De toute façon, vu qu'on a récupéré la carte 4, j'ai envie de dire autant profiter pour voir ce qu'on peut récupérer. Et surtout voir quelle porte peut s'ouvrir. Tu as des trucs sous les tables. Ah non. Non, il y a. Ah mais je suis déjà passé ici. Et si j'ai déjà du coup les lunettes infrarouges plus le masque à gaz, en fait j'ai absolument rien à faire ici. J'attends juste que ça sera active. Et que ça s'en aille. Et voilà. Vraiment en fait c'était plutôt un endroit sans danger.
façon, ça fait plaisir. Oh, quand même, c'est dommage qu'il nous fasse changer de carte juste pour ça. Ah bah ça, par contre, c'est un peu dégueulasse, hein. Ma vie est en train de partir progressivement, donc si vous pouvez désactiver cette alerte, s'il vous plaît, ce serait ma foi très apprécié. Allez, casse-toi! Ça, c'est n'importe quoi, ça. Allez, je suis rentré dans la salle. C'est pas possible de. Esquive ninja. Mais bon, ce n'est pas grave. Et voilà une souris. Ça sera peut-être utile pour un moment, j'espère. J'essaie la diplomatie au point, mais c'est pas passé, hein. Oh la jolie petite fille. Ah, je n'ai pas d'armes. Tu me dis quelque chose? Eh, c'est, je lui mets une droite. Oh non, 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 par contre, ça c'est dégueulasse. Je faisais que discuter. Pourquoi ça fait ça? Je suis médusé. Je me rééquipe. Ok. En fait, je fais un tour pour rien. Ok, pas de problème. Je suis déjà pas là. Ça va, allons-y pour le quatrième étage. Je vais avoir M facile. Tac 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 tac. Bonjour. C'était naze, oh là là. Il me voit. Ouais, ça devrait le faire. C'est moi du sel. Il n'y a qu'une seule salle. Il n'y a qu'une seule salle de bain ici. Elle se trouve au sud-est. Mais j'ai trop peur d'y aller la nuit.
Et bah, juste une petite coupure. Qu'avons-nous là? Parfait. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Bien fait, il me semblait. Je n'ai pas les lunettes de vision nocturne. Il faudrait que je me souvienne où est-ce qu'on les récupère. On va essayer de se mettre là-dessus à la caméra qui veille au grain. Bon, Allez, hop. Allez, ça c'est du bon ça. On a un ennemi qui est au centre. Qui est parti. Est-ce que ça c'est par là? Non, je me sens pas tout seul. Allez, c'est joué à rien. Hein. Mais bon, du coup, je vais juste descendre à l'étage inférieur. Comment dire? À mon avis, j'ai dû le. Dans une pièce que je n'ai pas visitée. Ah, ou attends! Je pense savoir. Je crois que je me rappelle. Je pense que ce soit bien ça. Mon dieu, il va éteindre la lumière, attention. Mais je voulais juste éteindre la lumière pour faire des économies d'énergie. Bah non, j'ai pas envie. Voilà, on va juste attendre que la caméra fasse son bailliage. Voilà. La carte 4. Juste une pièce vide. Et voilà. Alors juste, on va attendre que le garde se ramène. Et on va longer tranquillement. Pourquoi? Parce que par ici, on a plusieurs trous. Je me suis déjà fait avoir une fois, mais pas deux quand même. Quand même. Un peu de respect. Merde, c'est pas ça. Et du coup, on va pouvoir remettre notre masque à gaz. Oh, genre, je me suis fait voir, mais... Ça, c'est un truc, tu peux pas le prévoir, malheureusement. Et tu sors la pièce, bam! C'est hallucinant. Bonjour? Je ne suis pas là. Hein. Mon dieu, il va éteindre la lumière, attention. Bah non, il a pas eu le temps. Quand même, comme je dis au début de la vidéo, il y aura beaucoup de backtracking et j'ai oublié de préciser qu'il y aura beaucoup également de perdition. Hein. Mais bon, je l'espère au moins pour la fin de la vidéo et pour la prochaine, on pourra vraiment bien progresser. Oui, bah, je vais garder la carte. Alors moi, je me suis quand même équipé
Du nouvel arme, plus de lunettes à vision nocturne, les Night Vision Google. Ouais, j'adore dire Google. Mais comme ça, en fait. Comme ça, toi, tu gicles. Ah, mais. Et à niveau vie, je suis pas au top et bah ouais, je me fais référer. C'est la tristitude. Du coup, ça coûte 4. Hein. Et voilà, comme ça, on peut voir quelque chose et dire ah bah tiens, c'est pas. Mais non! J'étais même pas dessus, sérieusement. Non, ça c'est dégueulasse. Par contre, je n'étais même pas dessus. Ah, ça c'est. Non, c'est vraiment horrible. J'étais même pas dessus. Sais, ça doit être genre le bout de l'ongle là, du petit orteil. Et t'es dessus à... Ah bah non, je suis désolé, hein, t'es dessus. Donc tu crèves. Bastos. Non, ça va, c'est vraiment dégueulasse. Bon, au moins le checkpoint ne m'a pas fait reprendre trop loin. Donc ça, c'est plutôt cool, hein. Ah ouais, c'est bon, je tue tout le monde, hein. Je suis Ah, je suis vraiment énervé. Bah, c'est vraiment relou, ça. M'en fous, je longe la pièce. Il y a tout un tas de mannequins ici. D'accord, merci. Je suppose que je vais rentrer dans la pièce. Enfin, je vais tomber sur le vol. Voilà. J'ai l'impression que j'ai un spécial bédard. Je suis en bas. Et eux, c'est les aliens qui descendent, et puis voilà. Oh. En fait, il me reste 18 PV. Me reste 12 PV. Oh, ça fait mal quand même. Alors, quand même. Il y en a, c'est un peu compliqué de les repérer. Hein. Mais je pense que ceux qui regardent vers la droite ne sont pas des mannequins. Comme lui. Par contre, je prends encore une bastos et je suis mort. Ils ont mis la musique de la forêt. Ah, du coup, faut se laisser repérer par Gustava. C'est. Du coup, c'est un amas. Et ce. Même les portraits sont assez grossiers, mais on arrive à reconnaître ce que c'est quand même. Donc là, on attend juste. Là, c'est vraiment un travail d'attente. On en planque. Voilà, il allait faire un gros caca.
c'était là. Mais je rendrai pas des dames. Gustava? Oui, c'est moi, Gustava Effner de la STB. Et tu dois être sur Lead Snake? Avec un E. Nous recherchons la même chose. Pourquoi ne pas coopérer pour aller au secours du Dr. Marv? On se connaît. Typique de l'homme occidental. Avec une réplique pour faire le malin. Ah, ça me revient. Tu es Gustava Effner, la princesse de glace. Tu as gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Calgary. Tu dois confondre. Hein. Je pense pas. Je sais que j'ai. Ça suffit. Pas de la calmer. Qu'est-ce que tu sais à propos du Dr. Marv? J'ai pris contact avec lui par radio, mais il ne parle pas anglais. Ça signifie qu'il est vivant. Bien, c'est une bonne chose. Il a été opéré pour implémenter les metteurs. Snake, fais-moi voir ta radio. La fréquence est 140-50. T'as dit, J. Gustava. Marv. Parlez, doctoré. Écoute, c'est Tim, c'est Doboué, Gustava. Pas de Vemi Doboué. T'es-tu pas né doctoré? C'est un calvaire de lien. Na, c'est Vélo V5F, j'ai rejeté Slina. Ça, il m'a dit qu'on s'entra. Dame, j'aime. Cité va sacalanem. J'aime, Vojni Dikuchi. Je peux avoir une traduction. Snake, Dr. Marv va bien pour le moment. Il m'a dit qu'il y a un grand ravin au nord de la tour, la prison de l'autre côté. Dr. Marv m'a également demandé des nouvelles du Dr. Badnar. Pas de soucis. Badnar est sain et sauf pour le moment. Nous devons sortir Marv de là, compris? What? Il y a carrément un ascenseur des toilettes des dames? Je connais un raccourci pour aller au ravin. Un vieux système d'égout en dessous. Nous pouvons utiliser l'ascenseur pour descendre en route. Waouh, il y a un ascenseur ici. On n'a jamais fini d'être surpris. On a eu la même réaction. Ouais, c'est sur cette vidéo. Là, on a enfin retrouvé Gustava. On s'est rééquipé de quelques objets fort intéressants. Et puis, bah, je vous dis, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. À regarder les autres vidéos également, et puis je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo de Metal Gear de Solid Snake. Salut !